السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tout d'abord, au nom des CDI, nous souhaitons tout le monde qui vient avec nous et ainsi que tout le monde qui vient faire Hajj cette année-là, l'année 2022. Après qu'il nous a une pause de Covid, Alhamdulillah, nous restons retrouvés de Haram Makkah et Haram Medina pour compléter nos Hajj cette fois-là. Et nous souhaitons tout un Hajj Mabrour et que Allah subhanahu wa ta'ala accepte ces efforts qu'ils ont tout fait faire et qu'ils ont tout pour d'accord que cette fois-là, Bankin Al-Fiyah Hajj, Alhamdulillah, il y a beaucoup de facilité parce qu'il y a moins qu'un milieu du monde. Et nous, au niveau CDI, il y a moins Salim Jumal, il y a Bahreza, il y a l'équipe qui nous est née ici, Mubashir et Youssouf Jumal. Nous faisons une préparation pour le Hajj. Nous avons cru que nous avons bien le temps de faire une préparation avant qu'il amène le Hajj là-bas. Et promesse qu'il nous fait faire avec Zut, Alhamdulillah, bah, reste avec moi et l'OCDI ici. Nous comptons qu'il nous fait, nous faisons faire des efforts, nous faisons respecter tout le bah, clause de sa contrat-là. Alhamdulillah, nous avons le Hajj comme témoin. Mais avant tout, Allah subhanahu wa ta'ala témoin numéro 1 qui nous fait une préparation du Hajj, nous fait une reste avec Zut et nous fait une guette sur la santé, nous fait une guette plus encore de côté Hajj la même pour qu'ils aient un Hajj qui d'après cadre, un Hajj qui paye avant quelque chose qui en plus et paye avant quelque chose qui moins, nous fait une explique Zut tout ben, l'étape de ce Hajj là. Et Alhamdulillah, nous faisons une formation là-bas ici. En l'occurrence, nous faisons Omar qui vient expliquer concernant le rite de Hajj qui est une implication, qui est une implication psychologique qui nous a là-dedans et aussi sa philosophie qui est dans sa Hajj, la même exact événement de sa Hajj. Ensuite, nous faisons guerre, nous faisons Bahreza qui dit qu'il fait un arrache-pied qui. Il fait tout bon quelque chose qui côté technique, côté papier. Et ensemble avec lui, je fais de nouveau de mai. Et Alhamdulillah, je suis capable de dire cette année-là, c'est ma deuxième fois en OCDI qui nous fait organiser. Et qui, encore une fois, tout le monde a dit, fait montrer qu'ils ont fait satisfait. Et ils ont fait dire qu'ils ont fait satisfait à 100%. Normal, nous nous connaissons qu'il y a un manquement. Alors, ce manquement qui nous est là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour ce manquement-là, et Allah subhanahu wa ta'ala fait nous réussir, reste comme un organisateur qui vous facilite le Hajj. Et Alhamdulillah, nous sommes capables de dire au nos CDI qui nous fait nos efforts pour qui nous fait le Hajj, ce Hajj Mabrour, et nous fait expliquer comment je vous gagne ici. À travers ban hadith, à travers ban formation que nous faisons dans chaque événement que nous faisons avec eux. Alors je nous conseille, tout ban frère qui écoute nous et ban soeur qui écoute nous, qui n'a pas l'intention de faire Hajj, qui dit Allah subhanahu wa ta'ala donne une facilité et toujours vous êtes capable d'avoir un Hajj qui est beau, un beau organisateur qui a un bon un beau organisateur qui connaît ce din, qui connaît ce Hajj, qui parmi nous via an hajj mabrur inshallah wa jazakumullah khair wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.